Je vais vous présenter la recette du gratin de chouchou. Il faut 1 kg de chouchou, 2 oignons, de l'ail, et puis moi j'aime bien mettre ma petite touche perso, j'y mets du gingembre parce que j'aime le gingembre. Voilà, et puis ben maintenant j'ai déjà préparé la coupe et je vais mettre en cuisson. Je vais faire comme une petite daube en fait, hein. Je vais mettre un peu d'huile, je vais mettre les oignons, voilà, à frire. Alors pas très longtemps, hein. Là il est un peu fort le feu, là mon goût. Hop, on va baisser un tout petit peu, voilà. Hop, la technologie là, hop. Voilà, donc on va faire revenir un peu les oignons. Pendant que ça roussit doucement, je vais préparer donc mes épices. Donc l'ail, le gingembre, je vais peut-être mettre un petit peu de poivre avec pour donner un petit peu de goût. Voilà, un petit peu de poivre. Voilà, hop. En fait, on fait une daube, hein. C'est comme une daube. Et ça va servir de base pour faire le gratin quand on va le passer au four avec la béchamel. Voilà. Donc, du coup, il faut toujours un petit peu. Je vais peut-être mettre un petit peu de thym. Voilà. Je rajoute un peu de sel dans ma préparation. Et maintenant, je vais y mettre les chouchous, puisque ça a bien roussi, là, mes épices. Voilà. Excusez-moi, je prends un torchon pour ne pas me brûler les mains. Hop. Ça sent bon. Voilà, donc je vais rajouter un tout petit peu d'eau pour pas que ça grille. Et ensuite, une fois qu'ils seront cuits, là je les mettrai dans un plat qui ira au four pour après mettre la béchamel dessus. Alors, donc certains font le chouchou nature et d'autres le font avec du petit lardon. Le petit lardon, là c'est bon, ça donne un bon petit goût. Pour de ma recette, j'ai envie de rajouter du lardon, donc je mets du lardon. Un petit sachet de 250 grammes et on fait roussir tout ça. Voilà. Et j'ajoute ma petite touche perso. Voilà. Hop, on remue. Ah, vous n'avez pas les odeurs, mais alors qu'est-ce que ça sent bon? Effectivement, ça sent très bon. Je pense que dans l'assiette, ça va être encore meilleur. Comme je disais tout à l'heure, j'aime bien innover et franchement, j'aime bien la couleur du curcuma. C'est tellement bon, bon pour la santé, bon pour les dents. Je mets ma petite touche une nouvelle fois personnelle. Bon pour la santé aussi, hein. Oui. Et les produits de la Réunion en général. Voilà, ça donne une belle petite couleur dans l'assiette avec la petite béchamel qui va arriver derrière. Après, on fait ce qu'on veut avec les ingrédients, hein, mais bon, faut bien marier les ingrédients. Hein. Alors, je vais préparer maintenant la sauce béchamel pour la mettre sur mon gratin. Donc, pour ça, j'ai préparé mes ingrédients. Je vais mettre donc 40 g de beurre. Je mets tout en même temps. Hein. Je vais mettre 60 g de farine. Je vais mettre ensuite 500 g de lait. Avec ça, il n'y aura pas de grumeaux, hein, garantie. Et franchement, ensuite, je vais mettre une petite pincée de poivre. Voilà, ça devrait aller. Une grosse pincée même. Un petit peu de muscade, comme muscade, pardon.
Voilà. Et quand même un petit peu de sel, hein, bien évidemment. Voilà. Et puis, hop, je vais refermer mon petit couvercle. Voilà. Alors, la béchamel est terminée. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais mettre mes chouchous dans le plat à gratin. Hop. Comme ça. Voilà. Donc là, on met tout ça dans le plat. Sympa, hein, il y a une belle couleur. Hein. Ah ouais, avec du safran. Ouais. Ça donne du goût en plus, hein, parce que le chouchou est un légume qui a beaucoup d'eau. Donc c'est un peu fade déjà à la base. Donc il faut l'accommoder un petit peu d'épices. Avec du goût, quoi. Le goûter. Et voilà. Hein. Il y a une créole avec nous là. Ben oui. Pas venir celle-là, voilà. Donc maintenant on va napper tout ça de béchamel. Voilà. Donc la petite béchamel ici, voilà. La belle béchamel, voilà. Et il faut que ça recouvre tout ou bien il faut... Non, il n'y a pas besoin de recouvrir tout, parce qu'après ça fait lourd quand même, hein, et il y a juste à mélanger. Et on va rajouter aussi du fromage râpé dessus. Voilà, c'est juste pour avoir la sauce, hein. Quand c'est trop liquide, c'est pas... Moi, j'aime pas trop, hein. Après, chacun ses goûts, hein. Encore une fois, hein. Oh, c'est beau. Il y en a qui mettent pas de safran, hein. Moi, c'est la première fois que je mets du safran et je pense que je me suis pas trompée en testant cette épice-là dans mon gratin. Voilà, donc. J'ajoute du fromage râpé, voilà. Là, il y en a qui aiment bien le fromage râpé. Faut bien que ça, par contre, il faut bien recouvrir. Avec le... Moi, j'adore ça. Donc, voilà. Tu peux en mettre, hein. Et on va bien se régaler, là. Un repas de fête, hein. De toute façon, c'est la fête du temps chez nous. C'est toujours la fête ici, hein. Confiné, pas confiné, déconfiné. Voilà. Hop. Monsieur, on a respecté quand même. On a respecté bien sûr les règles de oui, de mais on a continué à faire nos petits plats, tout doucement, mais sûrement, voilà. Voilà, et maintenant on va mettre ça au four. Donc ton four, tu l'as préchauffé auparavant? Oui, il est préchauffé à 180 degrés. Et puis là, je vais mettre une petite cuisson à 20 minutes, ça devrait aller, le temps de faire fondre le... Donc 20 minutes à 180. Voilà, je mets 180, après il faut surveiller. Et puis voilà. Donc, le gratin a fini de cuire. Maintenant, on va le sortir du four. Voilà. Ouais, ça a l'air bon en tout cas, hein. Il est très beau. Hein. Oh là, ça grince. Et ça sent très bon. Voilà, je vais le poser ici. Vous voyez ça?